des petits tableaux de Avril Lavigne. Si je me trompe pas, normalement il doit pas y avoir ça. Il y a les Tokyo Hotel ici. Ah non, c'est pas ça, c'est le groupe Avril Lavigne. J'ai cru que c'est... Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous pétez la forme, que vous avez passé un excellent week-end et que votre semaine a super bien commencé. Comme tous les lundis, vous connaissez un petit peu la chanson, vous me décrivez votre week-end en quelques mots, ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, et vous me décrivez aussi votre journée, comment s'est-elle passée. Pour ma part, elle s'est passée super bien, même si vous vous en foutez. Aujourd'hui, on va faire un truc super, ultra, méga intéressant qui va vous apprendre des trucs. C'est complètement faux, on va se retrouver pour un mode, pour l'instant le mode n'est pas activé, c'est juste pour embellir la chose, hein. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique, etc. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît les amis, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Écoutez, on est parti. Alors le mode là, il n'est pas activé, donc c'est juste une petite présentation rapidos de la maison de Michael pour que vous puissiez voir la différence qu'il va y avoir juste après, puisqu'une personne a recréé la maison de Michael en vrai. C'est-à-dire que la vraie maison de Michael qui existe à Los Angeles, si je dis pas de bêtises, bah une personne l'a refaite en mode. C'est-à-dire que l'intérieur est exactement comme dans la vraie maison à Los Angeles. Alors je ne saurais pas comment vous prouver que cela est vrai, mais d'après ce que j'ai vu par rapport à ce qu'au modeur fait, il a l'air de faire tout ce qui est du real life. En fait, il reprend des trucs de la vraie vie, il le met sur GTA 5 en tant que mode, et du coup ça fait des trucs ultra méga jolis, etc. Donc regardez un petit peu l'environnement de la maison de Michael. Voilà, au sol nous avons du carrelage avec du damier, machin, la petite maison de Tracy, etc. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo pendant quelques secondes, enfin vous ça va prendre quelques secondes. Je vais réactiver le mode et vous allez voir la différence qu'il va y avoir. Vous allez voir aussi la différence graphisme qu'il va y avoir, puisque là le mode graphique a été supprimé. Vous allez voir la différence qu'il va y avoir. A tout de suite les amis, c'est... Et nous revoilà maintenant sur mon plus beau GTA 5. Regardez la différence graphique qu'il y a. C'est juste abusé. Donc comme je vous l'ai dit, la maison que je vais vous présenter maintenant, c'est la maison de Michael in real life. Donc c'est un truc que vous allez sûrement jamais voir de votre vie, mais grâce à moi, vous allez pouvoir le voir. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite visite. Voilà, on va faire un petit peu notre Stéphane Plaza. Et du coup, je vais vous présenter cette maison comme il se doit. On va se mettre en première personne. Je vais juste retirer les lunettes dégueulasses. Hop là, hop, sans lunettes. Voilà, c'est mieux. Alors, nous rentrons dans cette fameuse demeure. Hein, voilà, donc on va éviter de rentrer avec une bombe collante. Alors, vous pouvez apercevoir un très beau hall d'entrée. Voilà, avec un joli canapé. Non, mais regardez un petit peu la différence qu'il y avait entre la maison que je vous ai présentée tout à l'heure et la maison que je vous présente actuellement. Vous pouvez faire même un retour en arrière pour faire la différence, etc. Mais c'est vraiment très très beau. Je sais pas, comme je vous l'ai dit, je peux pas vous prouver que la maison de Michael en vrai est de cette manière là mais à mon avis ça doit l'être, parce que c'est vraiment très très joli. C'est enfin, je trouve ça très joli, je trouve ça très très chouette, même si la façon dont Rockstar a fait est très jolie, et même s'il y a certains modeurs qui ont fait des maisons aussi jolies pour Michael, ça reste quand même chouette. La petite photo de Michael qui est restée là, regardez, ce qui me choque en fait le plus, et ce que je trouve vraiment le plus joli, c'est le plafond. Avec les petits dessins qu'il y a sur le plafond, etc., je trouve ça vraiment très très joli. Le sol est pas mal aussi au niveau du parquet, etc., je trouve ça très très beau. Au niveau des objets, ça n'a pas changé, donc il y a juste le sol et les murs, etc., qui ont changé. Les tableaux, les tapis, la table. Salut Jimmy, ça va gaz ou quoi? Ça gaz mon pote. Là le parquet, très très beau dans la cuisine. De ce côté là on a une petite chaise en bois vraiment très très belle. Alors que tout à l'heure nous avions un tabouret. Le plan de travail qui est vraiment très très joli. Là qu'on passe d'un bois, d'un parquet vraiment très sympa à un carrelage. J'ai l'impression de faire mon agent immobilier là, vous présenter. Alors le parquet est vraiment très très beau hein, pour une revenu qualité prix bah, c'est plutôt sympa. Le garage qui change complètement. Là ça fait vraiment plus moderne au niveau du garage avec le sol comme ça, etc. J'ai pas visité le garage de tout à l'heure, donc à mon avis, dans mes plus vagues souvenirs, le sol du garage était ensuite avec celui-là. Là c'est un gris vraiment moderne, mais je trouve ça vraiment très très joli, j'aime bien. Jimmy a encore fait pipi, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Il y a aussi les tableaux qui ont changé normalement. Certains tableaux ont changé à certains endroits, alors je saurais pas vous dire où parce que je ne regarde pas forcément les tableaux chez,
chez Michael. Voilà, par exemple, les tableaux ici, ils ont changé. Je sais qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas ce tableau-là. Non, moi, c'est un tableau avec une petite dédicace de Rockstar juste en bas à droite. Je m'en souviens parfaitement. La femme de ménage. Ici, les petits tableaux. On retourne encore une nouvelle fois sur un tapis. Un tapis très joli. Le carrelage. Le petit cadre juste ici. La chambre d'Amanda et Michael avec ce joli parquet. Vraiment sympathique. Vraiment très très joli. Ici, une pièce où on peut pas accéder. J'avais oublié. Le parquet qui est vraiment très sympa, très joli, j'adore. Le toit et le haut là, le haut de la pièce est vraiment sympa. Les murs, la peinture, le papier peint et tout, vraiment je pense que c'est trop trop joli. On va voir maintenant la maison, la chambre de Jimmy. Ouah, je vais réussir. Pareil, encore une nouvelle fois un parquet avec un joli tapis. J'ai l'impression vraiment d'avoir une maison dans l'air... Dans le vieux air, c'est-à-dire que c'était vraiment à l'époque où les maisons étaient comme ça, avec des gros tapis, à n'en plus finir, des tapis rouges partout, des tableaux partout. C'est ce que ça me donne comme impression vu de l'intérieur de la maison. Par contre, le garage fait vraiment très très moderne. Et ça, franchement, c'est sympathique, c'est même très joli. Par contre, le reste fait un petit peu vieux, mais ça reste quand même très joli parce que le parquet est vraiment sympathique. Voilà, au niveau de la chambre de Amanda, voilà, avec des petits tableaux de Avril Lavigne. Si je me trompe pas, normalement il doit pas y avoir ça. Il y a les Tokyo Hotel ici. Ah non, c'est pas ça, c'est le groupe Avril Lavigne. J'ai cru que c'était les Tokyo Hotel. Je pars dans des délires n'importe quoi. Bref, le papier peint de la maison de la chambre à Tracy est vraiment sympathique aussi. On va visiter la dernière pièce qui est, elle, salle de bain. Est-ce que la salle de bain... Oh, je m'attendais à mieux au niveau de la salle de bain. Franchement, je m'attendais à mieux. Juste le carrelage qui a changé, l'endroit où je suis en train de marcher. Semble pas que ce soit changé. Mais franchement, la maison est sympathique. Il y a plein d'autres maisons que les modeurs ont créées. Et si ça vous intéresse, que je vous les présente, que je vous les montre, etc., faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Écoutez, les amis, on va se laisser sur ça. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo que vous avez énormément plu, que j'ai sorti il y a deux jours sur la nouvelle maison de Trevor, vous mettez une petite note dans l'espace commentaire de cette maison, comment elle a été refaite par le modeur, etc. Bon, après, c'est vrai qu'il y a juste le sol, le papier peint et les murs et les tableaux qui ont changé, mais ça a dû quand même nécessiter un certain boulot. Donc, on remercie bien évidemment le modeur. Je mettrai le lien de ce mod dans la description pour ceux que ça pourrait intéresser. Et du coup, on va se laisser sur ça. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, les amis, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde!